si elle a fait. Vous voulez voir son visage? Regardez. 1, 2, 3. Waouh. Après notre morning routine, vous nous avez demandé de faire la night routine. Donc la voici. Daniel étudie dans une école française. Moi et Amélia, on est dans un collège anglais. Les établissements se situent dans deux villes différentes. Du coup, les parents vont chercher d'abord Daniel et après moi et Amélia. Salut. Oh, salut, j'ai changé mon uniforme, il est comme ça maintenant. Non, je rigole, comment expliquer, vu qu'on attend nos parents pendant 20 minutes, j'avais un pull ce matin, du coup je l'ai mis. On va pas maintenant chez nous, on va d'abord chez... l'esthéticienne. Ouais, elle a réussi à dire le mot, parce que là, depuis tout à l'heure, elle galère. Et voilà pour notre visage. Je vais pas vous dire ce qu'on va faire, mais vous allez voir la procédure, c'est parti. Alors voilà, on est arrivé, bien sûr. On fait pas ça tous les jours. Oui, des fois on va faire des balades en trottinette. Des fois je vais toute seule en balade trottinette. Des fois avec Amélia. Des fois Amélia joue à Fortnite. Non, bah, tous les jours. Elle va quand même jouer après quand on va rentrer. Et là on va chez elle. C'est moi qui commence en première. Dans un premier temps, l'esthéticienne nous a nettoyé le visage. Après, elle a mis le produit pour le peeling. Elle a laissé réagir pour quelques minutes. Et à la fin, elle a mis de la crème pour adoucir notre peau, qu'on doit laisser jusqu'à dormir. Moi aussi, j'ai un masque et je dois rester avec. Oh mon dieu, ma tête. Ça, à moi. À mon tour. Ça va, Eline ? Voilà, on a terminé. Bon, elle a mis de la crème à baisson, qui apaise parce que... On a mis un peu de l'acide sur le visage, je crois, un truc comme ça. Ma mère aussi, elle a fait. Vous voulez voir son visage? Regardez. 1, 2, 3. Waouh! Et là, Amélia. T'as vu? Et ça, c'est Amélia, mais sa crème, elle est un peu estompée. Voilà, on se retrouve à la maison. On va planifier ce qu'on va faire après. Peut-être on va faire une balade en trottinette. On va faire nos devoirs. On va faire à manger tous ensemble. On verra. Pour l'instant, qu'on était en train de faire notre beauté, mon père a fait les courses. Voilà. Bon, là c'est pas tout. Hein. Mon père, il a pris les sacs. Il y a de la salade, des bananes, des chips. Allez, let's go. On commence. Quoi? Ah, c'est les chips. Daniel veut montrer ça. Ça, c'est ses chips préférés au fromage. Allez, on... Ok, ma crème, elle s'est presque enlevée. Oh my god. Oh, il y a trop de lumière. Moi, il y en a trop sur mon sourcil. On voit rien, c'est trop lumineux. Voici, on est à la maison. Vigo a manqué Amélia, du coup, elle est en train de jouer avec. Nos parents nous ont pris de l'école à 16h15. Là, il est à peu près 17h. On n'a pas pris beaucoup de temps à l'esthéticienne. Du coup, là, on va prendre le goûter et on va manger le dîner vers 20h. Oh, tadam, voici le goûter. Là, il y a un truc salé. Je ne sais pas comment ça s'appelle. Ici, c'est une tarte aux pommes fermée. Et ça, c'est avec des raisins. Oui, c'est des raisins ? Oui, c'est des raisins. Voilà. Et il y a aussi des fruits et du jus. Voilà. Il y a Daniel aussi, mais là, il ne veut pas se montrer en vidéo. Calculez pas trop nos visages parce que la mienne, elle est rouge. Il y a encore un peu de crème. Voilà, il faut que j'enlève après avec l'eau froide. Et Amélia aussi, sur le sourcil. Voilà, pas très classe. Eh. Mais après, notre peau sera trop jolie. Du coup, là, on regarde YouTube, Squeezy Gaming. Moi, je veux un truc salé. Amélia, tu as beaucoup de devoirs ? Oui, beaucoup. Mais pourquoi ? Parce que j'avais envie de faire de la trottinette électrique. Pas toi? Si, mais j'ai vu qu'à la météo, il va bientôt pleuvoir. Ah ben on verra vers 18h, ok? Et après, si il pleut, tu feras tes devoirs et moi, mes devoirs, je les ai déjà faits parce que j'avais une heure de trop aujourd'hui. Du coup, ben, je verrai ce que je vais faire.
Je vais t'aider, peut-être. Ah oui, oui. Attends, tu m'attaches les cheveux. Je peux pas faire un troisième, on va le laisser comme ça. Même si après, mes cheveux vont tomber derrière. Du coup, là, on va faire nos devoirs. Moi, je fais mon anglais, et toi? Je vais faire l'anglais aussi et chemistry, la chimie. Et après, on va à la salle de sport directement, on rentrera et on va manger avec toute notre famille. Non, on va manger que nous et Daniel, nous deux et Daniel. Quoi? Car nos parents, ils ont été invités chez les voisins. Ah, je savais pas, ils me l'ont pas dit. Ben alors, on va manger que nous trois, mais c'est pas grave parce qu'on va manger une bonne viande avec une salade. Et j'adore les salades avec la mozzarella. Et de la purée. Ah, il y a la purée aussi. Yes, voilà. J'adore. Bref, la purée. Allez, on fait nos devoirs. Dans notre école avec Amélia, on croise toujours une fille. Elle a cheveux courts, vraiment. Elle a vraiment les cheveux bouclés. Et c'est trop beau. Moi, c'est mes cheveux de rêve. J'adore. Mais un peu plus long. Et toi, Amélia? Bah oui, elle me dit toujours oh, j'aime trop ses cheveux, j'aime trop. Déjà, c'était moi qui l'ai vu, la fille. Oui. Et après, je lui fais ah, oh, Amélia, regarde ses cheveux, j'aime trop. Elle me fait oh, moi aussi. Et après, maintenant, quand. En plus, je lui ai dit un moment, on s'est croisé dans la. Dans le bathroom, je crois que ça se dit comme ça, oui. Dans les toilettes. Et en train de se laver les mains, et moi je lui ai dit ah, j'aime trop tes cheveux en anglais. Elle m'a fait ah, thank you. Maintenant, quand on se croise dans les couloirs, on sourit. Elle est trop chou. Voilà. Aujourd'hui, il y a une fille française. J'étais en train de marcher dans les couloirs pour aller aux toilettes. Et je raconte ma vie, oui. Et il y a une fille derrière, elle parle avec son amie, elle fait oh, she has a canal YouTube. Oh, c'est Elina, je suis pas sûre. Et elle fait Elina, je me retourne, je fais oui, y a quoi? Elle me fait ah, t'es Elina? Ah, mais je savais pas que t'étais dans cette école. Je lui dis ah, mais si, je savais pas, etc. Et après, on a commencé à parler. Et elle m'a dit qu'elle savait parler l'espagnol, l'anglais. L'espagnol, l'anglais, le français. Le français. Bah, logique. Elle a dit qu'elle aimait beaucoup notre chaîne YouTube. Donc, si tu passes par là, merci beaucoup. C'était grave bien quand on a parlé ensemble. De notre collège anglais, il n'y a pas que des élèves anglais, il y a aussi des élèves français, russes, il y a aussi des élèves coréens, japonais, asiatiques. Dans ma classe, il y a presque tout le monde qui parle trois langues. Moi, on m'a dit que je parlais bien anglais et espagnol. Du coup, je parle le russe, le français et on va dire un peu l'espagnol et un peu l'anglais. Un poco, little bit, un peu. Aujourd'hui, j'ai fait du basket avec toute ma classe. Et le truc qui était drôle, c'est qu'il y a, contre mon équipe, il y avait 4 Russes. Et ils faisaient que de faire des stratèges en parlant en russe. Et le truc qui m'a fait rire, c'est que je comprenais tout et on a gagné contre eux. Alors là, on va faire le sport. Oui, bien sûr. Mais j'ai cru qu'elle allait se mettre. Nous sommes arrivés à la salle de sport. On va faire du sport. Logique. Bref, Amélia, moi je vais courir et toi? J'ai mal au pied. Ah, tu cours pas. Et ben fais du vélo. Ça, c'est trop léger. Fais du vélo. Fais du vélo. Fais du vélo. Juste un peu plus vite. Pour l'instant, on marche. Bien sûr, on pourra y aller. On a encore... attends, 2 heures. C'est bon. J'ai pas de langue, ils vont s'envoler. Allez. Et on a encore du temps pour aller à la piscine, donc on y va. Du coup, dans la house tour, on vous avait pas montré la piscine, donc là, on va vous le montrer. C'est parti. Alors, ici c'est la grande piscine, la piscine principale, elle est super grande. Là-bas il y a le sauna et le jacuzzi, on va y aller, venez. J'ai peur qu'il y avait quelqu'un, mais absolument pas. Voici le jacuzzi. Bon, on peut allumer les trucs pour que ça fasse des bulles. Il y a ça, il y a là-bas aussi, ici pour faire des massages. Là, il y a le sauna. Ah, Willy! C'est bon?
Voilà. Là, on va se mettre en maillot de bain, on va aller à la piscine et on se retrouve à la maison quand on va manger. Arrête ! Alors voici mon assiette. Je vais peut-être pas tout manger, mais la salade c'est sûr parce que je vous ai dit j'adore la mozzarella. Il y a de la mozzarella. Voilà, j'ai pris un steak haché avec de la purée. Amélia, toi ? J'ai pris de la purée et de la viande. Elle est trop bonne. Déjà. Ouais, j'ai déjà goûté. Ah, t'as déjà goûté. Et Daniel aussi, genre j'ai mis la purée. Daniel, tu veux de la viande? Ok, il se prend tout seul. Prends celui-ci, c'est mieux. Lily. Daniel, tu veux du jus de pomme? Non. Ok. Non. Amélie, moi, j'en veux. Tu peux me donner un verre, s'il te plaît. Bon appétit. Merci, toi aussi. Merci. Pour l'instant que je vais à la douche, Amélie est en train de jouer avec ses amis après. Bien sûr, il y a Sakura, Naruto et Sasuke et Kakashi qui sont... Bon, en fait, il y a les skins de Naruto sont sortis sur Fortnite et j'étais obligée de m'acheter Sakura. Voilà, toujours fan des animés. Donc voilà, là je vais aller dormir plutôt que Amélie parce qu'après elle va prendre sa douche. Juste pour mon visage, je vais pas faire mes soins de tous les soirs parce que mon esthéticienne m'a dit qu'il fallait que, après mon peeling, il faut que je lave mon visage juste avec de l'eau froide et après mettre de la crème hydratante et ça sera celle-ci. Mais d'abord, je vais me brosser les dents. Moi aussi, je vais me brosser les dents avec toi. C'est bon, j'ai fini ce qu'il fallait que je fasse dans la salle de bain. Maintenant, je vais aller dormir, donc je vous fais des gros bisous et je vous laisse avec Amélia. Bisous. J'ai pris mon pyjama, je vais faire ma douche et bonne nuit.